Au sommaire de cette édition, le festival Passana qui a ouvert ses portes hier au Remdogo et puis la commémoration de la résurrection de Christ, les échos de la célébration à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie. Dames et messieurs, bonsoir et merci de feuilleter ce journal avec moi. Eh bien, la 9e édition du festival Passana a ouvert ses portes hier et ce jusqu'au 28 avril prochain. Plusieurs activités sont au menu de ce festival. Le reportage est signé Moïse Kinda. Pour la 9e fois consécutive, le festival Passana se tient à Ouagadougou, du côté du jardin de la musique Rimdogo à Gungin. Pendant une semaine, des activités telles que des prestations de groupes traditionnels, des pièces de théâtre sur un podium installé à cette occasion, des activités sportives, la rue marchande et bien d'autres activités. Et c'est le parrain, M. Urbain Yamego, qui a donné le top départ de cette 9e édition du Festival Passana. Alors, j'ai accepté parce que si nous nous mettons dans le contexte actuel du Burkina Faso, avec le problème d'insécurité qui est en train de changer pratiquement de nature et de glisser vers des conflits communautaires, et nous avons un festival qui réunit plusieurs ethnies de notre pays, donc plusieurs cultures, pour célébrer et valoriser ce que nous avons de plus cher. Et la culture, c'est le ciment des sociétés, c'est le ciment qui favorise et qui facilite la cohésion sociale et le vivre ensemble. Pour moi, c'était vraiment une occasion de soutenir et d'accompagner les initiateurs du festival Passana. La cérémonie d'ouverture a vu la présence effective des autorités de Marc et de la population du quartier Gungin. Le thème de cette 9e édition est parenté à plaisanterie, initiation des jeunes pour une coexistence pacifique. La 9e édition, d'abord, c'est d'abord sur le thème. Et la parenté à plaisanterie, l'implication de la jeunesse pour une coexistence pacifique. Vous savez de nos jours que le Burkina Faso traverse des périodes difficiles. Donc il est pour nous, par exemple, comme ça, de réveiller quelque chose que la jeunesse est en train d'oublier, la parenté à plaisanterie. Il est question pour nous de mettre en exergue pendant une semaine, à travers différentes activités, pour que la jeunesse aussi prenne encore conscience de cette belle œuvre que nous avons depuis des années. Maintenant, la particularité de cette édition encore, c'est le volet santé. Nous allons faire des consultations ophtalmologiques gratuites au profit des femmes et des personnes âgées. Donc, il y aura une collecte de dons de sang. Il y aura aussi des dépistages des cancers du sein et de l'utérus. Aussi des dépistages sur les personnes atteintes de déformations faciales et de noma. Notons aussi que toutes ces activités sont gratuites, libres et voilà, accessibles pour tout le monde. La clôture est prévue pour le 28 avril du côté du jardin de la musique Rimdogo. Parenté à plaisanterie, initiation des jeunes pour une coexistence pacifique, c'est sous ce thème que se tient cette 9e édition du festival Passana, nous le disions tantôt, du 22 au 28 avril. À cet effet, le professeur Alain-Joseph Sissao, directeur de recherche à l'Institut des sciences des sociétés, a introduit le thème à travers une communication sur l'alliance et la parenterie à plaisanterie. Quelle différence entre alliance et parenté? Élément de réponse dans cet élément signé Delphine Banissi.
Parenté à plaisanterie et alliance à plaisanterie, que faut-il entendre par ces deux notions généralement objets d'amalgame? Le professeur Alain-Joseph Sissao, directeur de recherche à l'Institut des sciences de société, répond en ces termes. L'alliance à plaisanterie, c'est lorsqu'il existe un lien entre deux ethnies, deux villages, deux patronymes et même parfois dans le temps deux individus qui scellent un pacte de sang, qui est assorti par des règles de non-agression et qui sont régis par des codes d'assistance mutuelle dans des circonstances douloureuses comme les décès et dans des circonstances heureuses comme les mariages, les baptêmes, etc., comme on le voit dans les villages. La parenté à plaisanterie, ça c'est un autre concept qui justement se pratique au niveau de, j'allais dire, la tante paternelle de l'époux, ou tante paternelle et puis égaux, ou entre les sœurs cadettes de l'épouse et l'époux, ou entre le grand-père et la petite-fille, ou la grand-mère et le petit-fils. L'alliance ou la parenté à plaisanterie est un patrimoine qu'il faudra sauvegarder entre les générations selon le professeur Sissao. En outre, il a indiqué que des conflits communautaires ont pu être ou peuvent encore être évités grâce à cette pratique qui remonte aux racines de la soixantaine d'ethnies que compte le Burkina Faso. Il existe par exemple une alliance à plaisanterie entre Samo et Mossi, Bissa et Gouroussi. Par contre, il existe une parenté à plaisanterie entre grand-mère et petit-fils. Le communicateur a donc salué le choix de ce thème à sa juste valeur. Passana, qui stipule en langue nationale morée par étranger, est un festival porté depuis 9 ans maintenant par Prosper Sedogo. Et à cette 9e édition, le promoteur pense à travers le thème réveiller quelque chose que la jeunesse semble oublier, l'alliance ou la parenté à plaisanterie qui, selon Prosper Sedogo, est gage de cohésion sociale. Vous savez, de nos jours, que le Burkina Faso traverse des périodes difficiles. Donc il est pour nous, par exemple, comme ça, de réveiller quelque chose que la jeunesse est en train d'oublier, la parenté à plaisanterie. Il est question pour nous de mettre en exergue pendant une semaine, à travers différentes activités, pour que la jeunesse aussi prenne encore conscience de cette belle œuvre que nous avons depuis des années. Parenté à plaisanterie, initiation des jeunes pour une coexistence pacifique. C'est sous ce thème que se tient le festival Passana 9e édition du 22 au 28 avril 2019. La commémoration de la Pâque, on en reparle dans cette édition et nous vous proposons la synthèse du culte de célébration à la première église des Assemblées de Dieu de la Pâque. La commémoration de la résurrection de Jésus s'est faite autour de chants d'action de grâce, de victoire et de partage de la parole de Dieu. Situant le contexte, le pasteur dira que cette célébration marquait la libération du peuple juif qui devrait passer de l'esclavage à la liberté. S'appuyant sur Lévitique 23, l'orateur exposera sur les 7 fêtes que Dieu commande au peuple juif, le point d'honneur étant mis sur la Pâque commémorée ce jour. L'histoire nous dit que Dieu disait au peuple d'Israël: je veux vous faire sortir de là où vous êtes pour vous amener dans un autre lieu où coule le lait et le miel. Donc, le passage de là où vous êtes, de l'esclavage, d'une terre étrangère vers votre patrie où j'ai promis à votre père Abraham, à Isaac et à Jacob que ça sera votre possession pour l'éternité. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu est revenu vers l'homme à travers une alliance nouvelle et éternelle par la mort de Christ sur la croix, portant ainsi nos péchés et nous réconciliant avec le Père. À la fin, il a dit: Christ a pris la coupe. La coupe, ça veut dire la dernière coupe. Et la dernière coupe
avait une représentation très significative. Les deux premières coupes, c'était pour la fête. Et maintenant, la troisième coupe, c'était la coupe de l'Alliance. Il a dit, la parole de Dieu dit qu'il a pris la coupe. Et il a dit, voici la coupe de la nouvelle Alliance. La nouvelle Alliance. Nous, nous sommes de la nouvelle Alliance. L'Alliance qui nous amène dans le ciel. L'alliance qui nous sépare de toute autre alliance. L'alliance qui fait que Satan ne peut pas prendre part à ce que nous faisons. L'alliance qui fait que les démons ne peuvent pas prendre à ce que nous faisons. L'alliance qui nous éloigne des ténèbres. Ce sont des fidèles visiblement joyeux de revivre cette commémoration qui symbolise la nouvelle vie retrouvée en Jésus-Christ. C'est une joie de savoir qu'aujourd'hui, on n'est plus sous la condamnation, qu'avec la résurrection de Christ, il y a eu une victoire sur la mort. Actuellement, nous pouvons parler de mort physique, il est vrai. Mais il faut plutôt effectivement savoir que nous sommes prétendants à la vie éternelle si nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, je suis dans la joie de savoir effectivement qu'aujourd'hui, une fois de plus, nous célébrons Pâques. Quand on entend cela et quand on vit cela également, on est très content. On se rappelle encore de ce que Jésus a fait sur la croix, du sacrifice qu'il a fait. Et quand quelqu'un fait un sacrifice pour vous et qu'il donne toute sa vie, on ne peut pas vivre comme on le veut, mais comme il faut le vivre de façon vraiment efficiente, afin que notre vie vraiment puisse refléter ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Parce qu'il a souffert, son corps a été brisé pour nous, son sang a coulé à cause de nous. Et lui-même, il est mort en tant que Dieu qui nous a créés sur la croix pour nous. Après avoir communié ensemble à travers la prise des emblèmes, c'est tout joyeux que les fidèles de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue ont regagné leur maison pour poursuivre la célébration de cette nouvelle alliance. Tout autre chose à présent, et nous sommes à l'international, précisément au Mali, où enfin un premier ministre a été trouvé. Il s'agit du ministre de l'économie et des finances de l'ancien gouvernement. Il remplace à ce poste Soumaïlo Maïga, poussé à la démission pour insuffisance de résultats. 4 jours après la démission de Soumaïlo Bobaï Maïga, le Mali a un nouveau premier ministre. Boubou Cissé, anciennement ministre de l'économie et des finances, a été nommé lundi premier ministre, selon le communiqué officiel de la présidence. L'ex-premier ministre Soumaïlo Boubaï Maïga avait présenté le 18 avril sa démission et celle de son gouvernement moins d'un mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'État. À la suite de cette démission, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a engagé des rencontres avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition pour discuter d'une part de la situation sociopolitique du pays et d'autre part de la constitution d'un gouvernement de large ouverture selon le communiqué. Boubou Cissé, économiste de formation, était ministre de l'économie et des finances depuis plus de 3 ans après avoir détenu le portefeuille de l'industrie et des mines. Le président américain est attendu au Royaume-Uni du 3 au 5 juin, une visite commandée par la reine Elisabeth II et qui conduira Trump aussi en France. Suivez. Donald Trump se rendra au Royaume-Uni du 3 au 5 juin. Le président américain sera l'invité de la reine Elisabeth II et rencontrera aussi Theresa May, dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944. Theresa May avait déjà invité le dirigeant américain fraîchement investi en janvier 2017, mais la visite d'État initialement annoncée s'était transformée en simple visite de travail face aux appels à manifester en raison des prises de position de Donald Trump. Le locataire de la Maison Blanche se rendra également en France pour commémorer le débarquement sur les plages de Normandie. Au cours de ces deux visites, le président Trump devrait défendre les intérêts commerciaux américains face à une Europe désunie dans ce contexte de Brexit. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités.
Eh bien, nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.